Bonjour à vous tous et encore merci, je vous le dis tout le temps, merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM, mais également sur les plateformes des réseaux. Et aussi, cette émission est enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, le thème accès aux soins du diabète, vous l'aurez compris là. On va parler du diabète. Nos invités, Vinoba Bikia, qui est éducateur en diabète de type 1, et également Anaïs Petra-Permal, qui est accompagnatrice sociale, les deux représentants de Tidiam sur le plateau. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Alors, nous vous commençons par faire un petit constat de la situation qu'en nous cause le diabète. Vous connaissez Vinoba Bikia, vous nous avez dans ce plateau-là, on a fait pas Oui. mal d'émissions sur le diabète. Nous avons gagné un petit feedback avec vous quand on parle de diabète aujourd'hui. Est-ce que le diabète lit en hausse ou est-ce que le diabète lit en baisse? Quelle est la situation? D'accord. Normalement, le diabète à travers le monde, c'est lié en hausse. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être sont prédiabétiques, mais pas la peur de pas aller à un médecin, par exemple, pour faire une analyse pour guetter si je suis diabétique ou pas. Alors, là, il est clair qu'il vous donne une indication que le diabète en hausse à Maurice et dans le monde Dans le et monde dans entier. la... Mais qui fait? Qui fait le diabète en hausse? Est-ce qui, par exemple, quand nous cause, quand nous faisons une analyse sur un chiffre, sur les taux de nombreuses situations dans le monde, si nous cause accident de la route, nous cause des autres maladies cardiovasculaires et autres, ben chiffre, parfois, il y a une baisse, parfois, nous dit il y en a moins. Mais concernant le diabète, nous, est-ce que nous connaissons le pourquoi de ça? Qui fait? Parce qu'il y a beaucoup de campagnes qui font, beaucoup de sensibilisation pour conscientiser les gens sur le diabète. Mais qui fait les gens manière au pédiatre, est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il est capable de travailler pour qu'il y ait une baisse dans le diabète? Oui, exactement. Bon, à l'île Maurice, le gouvernement peut faire beaucoup, le ministère de la Santé peut faire beaucoup de travail pour faire ban awareness, tout ça, pour conscientiser ban personne, pour amener une vie saine, prendre une alimentation saine et aussi faire beaucoup l'exercice physique, qui est très très important pour un bon contrôle, pour pas avoir le diabète. Non, mais elle me revient de sa question encore une fois, Vinoba Bikia. Oui, il y en a beaucoup de campagnes. C'est vrai qu'il y en a pas mal de choses que le gouvernement peut faire. Beaucoup d'éducation aussi sur le diabète. Une cause d'alimentation, une cause d'exercice physique. Aujourd'hui, les gens connaissent très bien, ils savent très bien qu'ils visent faire l'exercice physique et visent manger bien. Mais pourquoi mon père ici comprend ce qu'il nous a comprend qui fait cette hausse? Est-ce qui bandimoun encore mange mal, alimentation pas bon, il n'y a pas de contrôle sur l'alimentation? Est-ce qui l'exercice physique, même si PFR pas faire lire comment bizarre, où est le mal? Nous permet d'essayer de comprendre pour nous capables l'eau sa plateau là, essayer de donner un maximum de renseignements à bandimoun. Pour nous qu'à comprendre, mais où est le qui pape morcé? D'après moi, peut-être c'est ça vient de l'alimentation. À l'île Maurice, dans tout petit coin la rue, nous trouvons un petit snack, un petit biryani, un petit fast food, tout ça. Alors, il y a beaucoup de personnes à l'île Maurice qui peut-être n'ont pas cuit assez bonne alimentation bien équilibrée, tout ça, dans toute la maison. D'accord. Alors, je préfère peut-être pas gagner le temps, vu que je travaille assez tard et tout. Alors, je préfère à l'acheter, qui cuisiner à la maison. Ça, c'est le premier facteur qui me pensait à l'île Maurice. Nous besoin refaire beaucoup l'éducation côté Revoir nos alimentations. alimentation. Parce qu'il y a beaucoup de fast food, McDonald's, KFC, partout dans tout petit coin de la rive. Un petit basmine, comment nous dire. Alors, il y a beaucoup la malbouffe. Alors, ça, c'est le premier facteur. Oui,
quand vous pouvez dire ça là, je comprends avec vous qu'on peut cause le diabète. C'est quoi le diabète? Alors le diabète, c'est quand nous trouvons avec un taux élevé de glucose, aussi appelé le sucre, dans le sang. Alors il y a un débalancement quand nous trouvons avec un taux élevé de sucre dans nos corps. Alors, taux élevé de sucre dans nos corps, nous connaît que le Mauricien y consomme beaucoup de riz. Oui. Est-ce qu'il dans le riz, il y a beaucoup de sucre, oui, ou de glucose? Oui, dans le riz, dans la farine, tout ce qui touche de la farine, pâte, macaroni, semine, du pain, il y a beaucoup de sucre. Mais par contre, nous mangeons à sucre. Mais nous mangeons lire en modération. Ici à l'île Maurice, nous mangeons plus de riz qui banne les autres alimentations comme légumes, comme protéines, comme poisson, poulet. Alors c'est ça débalancement là côté nous alimentation qui fait nous gagner le taux de sucre augmenté. Alors pour nous comprendre bien ce que vous pouvez dire là, Vinoba Bikia, qui est un éducateur en diabète, ce qui banne dimoun, consomme beaucoup de ban aliments qui contenir le sucre. Faux en sucre. Je demande ça beaucoup. Oui. Et je dépense moins. Moins de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un surplus de sucre dans les corps qui provoque probablement le diabète. Exactement. C'est ça, Simone bien comprend. Exactement. Alors nous pouvons venir un petit peu plus après Lola. Vous avez entendu l'avis d'Anaïs Petra Permal, qui est une accompagnatrice sociale ou un thérapeutique case worker, social worker. Alors, je comprends avec vous, un jeune, qui vous pensez sur le diabète, surtout là, la situation à Maurice? Eh bien, le diabète, c'est une situation côté un taux de sucre définitivement dans le corps, mais aussi en ce moment, la vie avec le diabète lui comporte d'importants défis au quotidien de la vie d'une personne qui vit avec. Du coup, il y a un élément qui affecte la santé psychologique de la personne. Et que ça lui crée une complexité sur la gestion du traitement même du diabète. Alors, explique-nous ça un peu plus en détail, Anaïs Petra-Permal. Là, on a un autre sujet qui est également très intéressant, où dire que sa situation de diabète capable a une répercussion sur la santé psychologique de la personne, c'est-à-dire? C'est-à-dire que déjà fragilisé par la maladie chronique, il y a la santé psychologique où cela peut, par la complexité, cela peut causer un fardeau émotionnel avec la personne qui vit avec le diabète de type 1. Comme par exemple, la personne a l'impression que le diabète contrôle sa vie. Certes, cela relie avec la dépression et d'autres émotions négatives. Mais aussi, il y a l'environnement familial aussi qui crée un impact. Tout ça. Alors, c'est vraiment important ce que vous êtes en train de dire pour faire nous réfléchir sur les problématiques qu'il y ait au diabète. Parce que ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'il nous peut dire qu'il est important de prévenir. Pour qui un dimoun, logiquement, connaît qui bise à faire, pour qui gagne le diabète. Ça, c'est un aspect. Par contre, il y a d'autres aspects. Là, nous pourrons directement dans le débat. Et puis, nous pouvons expliquer aussi tout à l'heure ce que le rôle de Tidiams dans tout sa combat contre le diabète. Mais avant cela, nous pouvons expliquer Dimoun bien, c'est quoi le diabète type 1, c'est quoi le diabète type 2, fait une comparaison. Et ça, vous pensez, Vinoba Bikia, ou un professionnel sur le sujet, et nous écoutons. D'accord. Bon, pour commencer avec le diabète de type 2, parce qu'il est plus connu à l'île Maurice. À l'île Maurice, pour le moment, nous n'avons plus que 260 000 personnes atteintes du diabète de type 2. Alors, quand on parle de diabète à l'île Maurice, c'est plutôt le diabète de type 2 qui est plus connu. Alors, le diabète de type 2, c'est parce que, les touches, en premier lieu, il touche plutôt une vieille personne, mais
De nos jours, nous pouvons trouver aussi des jeunes aussi qui peuvent gagner le diabète de type 2. Qui fait nous gagner le diabète de type 2? Premier facteur, c'est l'obésité. Déjà, on est capable de dire côté alimentation, la malbouffe. Il y a aussi un manque de l'exercice physique, une vie sédentaire. Alors, nous assisons, nous sommes au travail, nous venons à la maison, peut-être nous prenons nos bains, nous manger, après ça, un petit peu de télévision, après ça, on a dormi. Alors, il y a un manque de l'exercice physique. Aussi, le diabète de type 2, il vient aussi côté héréditaire. Alors, si un membre de la famille déjà a le diabète de type 2, fort probable, un autre membre de la famille est capable d'en dire. Alors, je vais prendre, dès le commencement même, je vais prendre des mesures appropriées pour éviter ça. Ça nous fait cause diabète de type 2. Alors, et aussi, pour ajouter, le diabète de type 2, la personne, ce l'écho, peut déjà produire l'insuline. Mais ce ban cellule, il n'y pas utilise l'insuline là convenablement, comme on disait, pour le bon fonctionnement de ce l'écho. Mais là, on avance un chiffre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter en ASP Tempérament sur le sujet. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à intervenir. Mais là, quand on fait cause, le diabète de type 2, 260 000 personnes déjà qui sont diagnostiquées. Oui, diagnostiquées. Et probablement, il y a d'autres personnes qui n'ont pas diagnostiquées. Oui, par la peur d'être... Voilà. Mais 260 000 déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur une population d'à peu près 1 million et quelques, 1 million 2, 3, 4. Mais c'est beaucoup, 260 000 personnes. Exactement. C'est inquiétant, là. Oui. Qui nous peut faire? Où est le mal, là? Est-ce que c'est, quand on dit diabète de type 2, on évoque, par exemple, c'est héréditaire. Quand quelque chose est héréditaire, on hérite ça. Nous ne sommes pas capables de faire trop le choix. Mais nous sommes capables de prendre une précaution. C'est-à-dire, on vous a développé ça, là. Hein, parce que, Bandiwoun peut-être là pour, comme moi, être inquiet par rapport à ce chiffre avancé. 260 000 personnes qui atteignent le diabète de type 2, nous sommes contents de comprendre quel est l'état de santé de ces personnes. Quand nous disons qu'ils sont atteints de diabète de type 2, par exemple les vieilles personnes, qui ont l'état de santé, est-ce qu'ils ont mal, ils ont bien resté à l'hôpital, ou est-ce qu'il y a des soins à la maison? Allez-y, je vous écoute, hein, mais nous allons comprendre bien quelle est la situation. Si quelqu'un est diagnostiqué avec le diabète de type 2, il n'a pas de traitement qui peut donner à l'hôpital ou même en privé aussi. Pour commencer, je vais prendre un comprimé comme le metformine, qui est bien adapté et qui donne un bon contrôle. Mais juste médicament, il n'est pas pour faire la chose, pas pour de nous garder en bonne santé. Alors, besoin aussi un contrôle côté la nutrition, ce qui nous peut manger, l'alimentation. Aussi, l'exercice physique est bien important. Même une vieille personne aussi, d'être capable de faire une longue la marche. Ne pas dire que je faire 4-5 tours terrain, mais une longue la marche qui peut garder en bonne santé. D'accord. Et si le diabète n'est pas bien contrôlé même, il y a aussi d'être capable, pour le diabète de type 2 aussi, d'être capable de faire une injection d'insuline. OK? Si on a un bon contrôle, définitivement, pour une bonne complication qui vient. Et aussi, avec une bien faire personne, c'est pas juste le diabète, mais ben les autres complications, côté cardiaque, tout ça. Alors, qui complique les choses. Oui. Cardiaque, nous avons abordé le sujet juste après là. Anaïs Pétapermal, il y a quelque chose qui a été mentionné par M. Bikia. Parmi ces 260 000 personnes atteintes de diabète de type 2, il y a des jeunes aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? 260 000 personnes atteintes parmi des jeunes aussi. Ben avec l'évolution en ce moment, la technologie, il y a moins de jeunes qui participent aux activités sportives, tout ça. La plupart préfèrent la case qui est télévision. Du coup, ça aussi, comme on nous dit, ils craignent la vie sédentaire. Et peut-être avec la consommation hausse élevée du fast-food, tout ça, cela craint un impact aussi envers les jeunes. Quel message vous avez, vous, hein, en tant que une accompagnatrice sociale, vous êtes
êtes également un des représentants de Tidiams. Vous êtes en contact direct avec des gens qui ont le diabète. Quand vous regardez tout ça, quel est le message que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens par rapport à cette maladie? Alors, de prendre conscience que cela existe. Et surtout, il y a toujours à Maurice un tabou, surtout quand je parle pour le diabète de type 1, quand ben, la professeur Piquet pour une toujours un mauvais record qui peut passer. Mm-hmm. Du coup, ben, personne ne besoin de connaître que c'est une maladie qu'il y a. Et il y a beaucoup, ben, personne a besoin de beaucoup de soutien, que ce soit côté environnement, mais aussi de soutien financièrement. Mm-hmm. Aussi. Voilà. Alors, Monsieur Bikia, nous révinons sa problématique qui concerne diabète de type 2. Après, nous vous causons plus en détail aussi sur diabète de type 1. Mais on évoque pas mal de choses. Hein. Moi, je pense que quand on évoque ce chiffre-là, là, ce chiffre-là m'inquiète. 260 000 diagnostiqués. Et probablement, il y a beaucoup de personnes encore qui ne pas faire aucun test. Peut-être qu'ils ont le diabète, qu'ils peuvent vivre avec. Mais probablement, je n'ai pas pu prendre aucun médicament, je n'ai pas aucun soin. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit, vous n'avez pas sous médicament et je suis atteint de diabète de type 2, je n'ai pas sous médicament et je n'ai pas pu prendre aucun soin. Qu'est-ce qui arrive? À la longue, je suis capable, pour le moment, je suis capable, pas senti rien, je n'ai pas ressenti aucun symptôme, tout ça là. Mais le diabète de type 2, il vient graduellement. Et quand il vient, un seul coup de barre, je vais faire le diagnostic. Mais il prend assez le temps pour l'ivini. Et aussi, ben, quand l'ivini, il y a une complication qui accompagne. Comment on sait quoi, côté lisier, il y a une rétinopathie, côté les reins, néphropathie, côté une sensation, tout ça, là, ça aussi capable d'affecter. Si nous pas gagne le traitement à temps. Monsieur Bika, par exemple, un dimoun qui est atteint de diabète de type 2, qui n'est pas fin diagnostiqué, est-ce qu'il y a un symptôme qui est capable d'une bonne indication et ça dit là obligatoirement bizarre faire une vérification, aller voir le médecin ou ailleurs? Oui, et dans plusieurs symptômes qu'une personne est capable de ressentir, par exemple, les sentir très très fatigués, les sentir pendant la nuit ou même pendant la journée, à chaque fois les besoins, il y a une envie pressante pour aller faire pipi, se laver un petit peu sec. Les trouver les pépés à 10 poids. Alors, tout ça, ben, symptômes-là, là, il y a besoin d'aller à un médecin. D'accord. Au niveau de Tidiams, Anaïs Petra-Permal, nous avons envie de comprendre un petit peu plus là dans les détails. Comment je t'encadrer les gens qui sont atteints de diabète? Et probablement là, ce qui a été évoqué, je vous dis encore une fois, ce qui m'inquiète là, c'est surtout le chiffre énorme par rapport au diabète de type 2. Nous parlons de type 1 tout à l'heure, vous pensez à un chiffre aussi pour type 1. Alors, quels sont les soins dispensés? Quel est l'encadrement de Tidiams pour une personne qui atteint de diabète? Qu'est-ce que vous faites au niveau de Tidiams? Alors, à Tidiams, nous assistons aux personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Oui, allez-y. Oui. Du coup, nous offrons des services médicaux. On fait des visites à domicile, des activités, des sensibilisations dans les écoles, même dans les travaux. Oui. Et aussi, nous offrons aussi un soutien psychosocial, tout en utilisant des approches thérapeutiques. Oui. Qui veut dire quoi? Alors, la psychosociale, c'est que on regarde le développement psychologique de la personne qui vit avec le diabète de type 1, mais aussi son interaction dans l'environnement social. Mmh. Oui. Nous passons maintenant un peu de temps avec le diabète de type 1, Monsieur Bikia, qui est également important. Nous expliquions tout à l'heure là que quand on parle de diabète de type 2, cela concerne à peu près 260 000 personnes. Vous nous direz que ça concerne les vieilles personnes et aussi les jeunes. Ce que vous avez mentionné aussi, c'est ça relié avec l'obésité.
aussi à une mauvaise, probablement mauvaise alimentation, manque d'exercice physique, et aussi c'est héréditaire. Ça, c'est pour diabète de type 2. Mais une question avant qu'il nous bouge type 1, vous avez parlé des jeunes, ça, vous voulez en aborder avec vous. Qui fait les jeunes aussi dans ce groupe-là? Alors, comment dire, c'est un petit peu côté sédentaire. Les jeunes aujourd'hui ne participent pas assez dans les activités sportives. Moi, je connais dans mon village, j'ai un grand terrain de football. Longtemps, il y a beaucoup dans l'équipe. Tout la rue, il y a une équipe. Mais aujourd'hui, le terrain-là, il est bien éclairé, il est modernisé, mais il est vide. Okay. Alors, pas trop ben jeune du tout. Alors, moi, je pour encourager ben jeune, servir à ben terrain-là, faire ben activité sportive, ça est bien, bien important pour être en bonne santé. Très bien. Diabète de type 1. On va y aller avec vous. Explique-nous, c'est quoi le diabète de type 1? Et probablement, si vous avez des chiffres sur le nombre de personnes qui sont atteintes, d'accord, on vous écoute. Alors, le diabète de type 1 est un taux élevé de sucre dans le sang. Les touche plutôt ben bébés, ben enfants, ben adolescents, aussi ben jeunes qui peuvent rentrer dans l'âge adulte. Mais par contre, n'importe qui personne à n'importe qui âge capable de gagner aussi le diabète de type 1. À l'île Maurice, nous compte environ plus que environ entre 1000 à 1200 personnes atteintes du diabète de type 1. Mais par contre, comparé à le diabète de type 2, le diabète de type 1, c'est parce que le pancréas, un organe très très important qui produit de l'insuline, lui arrête de produire de l'insuline. C'est pour ça qu'il nous gagne le diabète, qu'il nous appelle le diabète de type 1. Alors le pancréas, il ne peut pas produire l'insuline. Alors c'est la façon qu'une personne atteinte du diabète de type 1 capable de gagner sur l'insuline, il besoin faire une injection. Alors, injection là, c'est un minimum de 4 à 5 injections, ou peut-être parfois dans le cas que tu fais plus, de l'insuline tous les jours. Ça, c'est pour le reste de la vie. D'accord? Ben là, c'est aussi une lutte problématique qui vous fin évoquer. Vinoba Bikia, parce qu'il au fin, évoque un chiffre de 1000 à 1200 personnes qui détectées, qui finissent diagnostiquées avec le diabète maintenant de type 1. Et là, au fin, mentionne les bébés qui naissent avec le diabète, c'est ça? C'est pas nécessairement de naissance, mais le plus petit dans l'association est diagnostiqué à l'âge de 8 mois. 8 mois. 8 mois. Comment explique ça? Est-ce qu'il y a une explication médicale sur ça? Oui. Alors, la vraie cause du diabète de type 1, c'est encore inconnu. Mais ce qu'il nous connaît, c'est une auto-immune disease. Ça veut dire le système immunitaire. Normalement, quand nous gagnons, disons, nous attrapons un petit virus, nous attrapons la grippe, nous malades. Alors, nous avons nos propres anticorps qui produisent pour venir combattre ça. Quand il finit de combattre sa malade là, il va le détruire lui-même. Dans le cas du diabète de type 1, ça va un anticorps là, quand il finit de faire le travail, il ne va pas détruire lui-même, il va détruire son propre corps. En ce faisant, il va détruire les cellules qui nous appellent les bêta-cells dans nos pancréas. Alors quand il fait ça, nos pancréas arrêtent de produire l'insuline. Et l'insuline, c'est un hormone bien, bien important qui aide pour régulariser le taux de sucre dans nos corps. Alors, ce n'est pas évident pour un bébé de, par exemple, de 8 mois à monter, de vivre avec le diabète. Mais c'est content, arrête-moi par rapport à ça. Pour Van Dimoun comprend bien là. Quel est le traitement est-ce que vous voulez, hein? Anaïs Prétard-Perman, n'hésitez pas à intervenir. Hein? Vous êtes là, on veut bien vous entendre. Allez-y, intervenez, parce qu'il y a un choix là. Oui, et c'est là que Tidiam fournit des services médiation familiale. Ça veut dire ne pas être juste la personne ou l'enfant qui vit avec le diabète de type 1, mais nous guette côté la famille. Côté aussi, nous fait une aide financière, surtout nous donne un food pack, tout ça. Voilà.
pour accompagner la famille. La famille. Du coup, nous fait une évaluation des situations. Mm-hmm. Et par la suite, nous définir efficacement les besoins des familles. D'accord. Alors, c'est tellement important ce qu'il nous peut dire là, Vinoba Bikia. Mais je voudrais rester sur l'aspect des bébés pour comprendre l'aspect médical de la chose. Comment est-ce que la famille va opérer là avec un bébé atteint de diabète? Est-ce qu'il y a un médicament spécifique ou fin de cause? Ben, ça fait tellement important et ça fait frissonner quand vous dites ça. Par exemple, 5 injections par jour, pas évident ça. Est-ce que c'est ce bébé-là évident. Aussi pareil? Dès le commencement, avec parfois le diagnostic même pour déterminer qu'ils ont enfants là, ils gagnent le diabète de type 1, mm-hmm. ça même est assez compliqué. Parce que, par exemple, un bébé. Oui, allez-y. Un bébé. Oui. Un avant symptôme qui nous gagne quand nous faisons le diagnostic du diabète de type 1. Par exemple, vous avez beaucoup soif, vous avez fait pipi beaucoup, une perte aussi de poids assez conséquent. Mais avec un bébé, quand les pémettes se couchent, tout cela, peut-être maman là n'est pas arrivé à déterminer que bébé là peut faire pipi beaucoup, ou ça peut gagner soif beaucoup. Deux, parce qu'il est petit, peut-être il peut pleurer, ou ça a une perte de poids assez conséquent. Alors, c'est dès le commencement, pour faire le diagnostic, c'est assez difficile. Et parfois, c'est arrivé à guider 2-3 médecins pour éventuellement déterminer qui les enfants et non le bébé et non le diabète de type 1. Mm-hmm. Et aussi, côté la famille, quand le diagnostic est fait, c'est un boom. Mm. Parce que je ne connais pas exactement qui vient arriver ça, l'impact côté mentalement, je ne suis pas assez préparé. Mm. Alors nous, à T-Jams, quand vous êtes venus, nous devons tous les temps nous expliquer comment qui est arrivé, comment gagner le diabète de type 1, le processus, le traitement, tout ça là. Alors, mon vidéo nous a fait par rapport à ça. Vous savez bien le terme là. Si par exemple un parent, les parents d'un bébé qui apprennent que leur bébé est atteint de diabète de type 1, peut-être 8 mois ou 1 an, un bébé de 8 mois ou 1 an, c'est vrai que ça a l'effet d'une bombe. Oui. C'est vrai que les parents pourront être dans une situation, c'est pas simple un bébé qui atteint de diabète. Mais est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'il nous capable de comprendre, est-ce que cet enfant-là peut avoir la vie tout à fait normale? Est-ce que cet enfant-là, il peut tout le temps souffrir? Qu'est-ce qui va se passer avec la vie sociale de cet enfant? Et c'est là que T-Jams rentre en jeu. Alors, quand vous êtes soin de nous, l'association, nous pouvons expliquer en détail, avec tous nous les temps, d'une façon très, très simple, dans un langage très, très simple, pour éduquer, pour faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Nous déjà on a un traitement. Le traitement-là, il peut être lourd, parce qu'il faut faire 4 à 5 piqûres tous les jours, mais il y a un traitement. Et aussi, ce n'est pas juste traitement, nous devons être aussi côté alimentation. Bon, si c'est un bébé, peut-être l'exercice physique n'est pas pour rentrer en jeu pour le moment, mais avec quand nos enfants-là peuvent grandir et tout, nous sommes toujours là pour accompagner tout le long de la vie. Mm-hmm. Nous parlons des enfants là aujourd'hui, quand ils sont diagnostiqués, c'est tout un accompagnement continu. Quand les enfants là rentrent dans l'âge adulte, adolescent, adulte, le traitement là n'est pas pour toujours rester pareil. Piquer là, ils peuvent faire peut-être 4 à 5 piqûres, mais il y a beaucoup de côté changement, adaptation. Et aussi, quand les enfants là peuvent grandir, quand ils peuvent à l'école, ils peuvent au collège, tout cela, il y a aussi un comportement, et il y a aussi un changement de l'environnement. Alors, T-Jams est là pour accompagner ces enfants-là tout le long de ce laps. Je veux vous demander quelque chose, Anaïs Petapéma, juste après, nous vous venons avec vous sur l'accompagnement social par rapport au bébé. Mais avant cela,
Ou Findi, elle est là, par exemple, que ça peut avoir l'effet d'une bombe sur les familles qui apprennent que leurs enfants sont atteints de diabète de type 1. Ma question, est-ce que ces enfants-là, ils restent dans cette situation-là pendant toute longue sur la vie, ou est-ce qu'il y a guérison? Nous avons essayé de comprendre là, où est-ce qu'ils peuvent vivre avec ça tout le temps. Pour le diabète de type 1, nous avons une guérison, mais nous avons un traitement. Alors, s'il fait ce traitement comme un bisin, alors il pourrait être en bonne santé et aussi il est capable de faire n'importe qui a envie dans ce lac. Si on vit faire mon par exemple, sport, par oui, exemple, un okay. grand sportif qui est diabétique type 1 okay. et aussi un remporte pas de médaille d'eau okay. pour le olympique et tout. Okay, c'est une alors, bonne nouvelle. Le diabète de type 1 n'est pas arrêté tout. La vie pas terminée. Si d'accord. vous êtes dans le diabète de type 1, vous êtes capable de faire tout ce que vous envie dans la vie, mais il y a une bonne routine, il y a une bonne routine qui vous a mis en place. Et non, un suivi qui vous a fait très très rapproché, un suivi très rapproché qui vous a fait. Si pas faire avant le suivi là, définitivement, on peut avoir une complication. Est-ce et que c'est mortel? Ça qui est-ce qu'il est mortel? Oui. Si pas faire avant le traitement comme un besoin, capable même perdre la vie. Une autre question par rapport à ça, est-ce que le diabète, tout type de diabète, l'anopécose type 1 et type 2 aussi, oui. est-ce que c'est mortel? Oui. Si pas faire suivre le traitement comme un besoin, il a une bonne routine, définitivement, pour une bonne complication. Et une bonne complication là, pour définitivement, ou capable même de perdre la vie. Alors, il peut être très mal. La question par rapport à l'accompagnement social, surtout lié aux bébés, aux enfants, très jeunes, ce n'est pas évident. Pour l'enfant même et pour la famille, comment se travaille au niveau de TIDIAMS? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on fait une approche thérapeutique. Du coup, nous encadrons la famille surtout en travaillant avec la psychologue de TIDIAMS. Alors, nous allons juste, ne pas juste comme si vérifier l'enfant, nous, pas juste cette routine de cet enfant, mais aussi de la famille aussi. Mmh. Oui. Alors, Vinoba Bikia, quand on parle de diabète, cette maladie est également extended à d'autres maladies, malheureusement. Quand un endymoun cause sur le diabète, bien souvent, il n'y a uniquement le diabète. Il y en a plusieurs, les autres, vous avez utilisé le mot complication. Alors, beaucoup d'autres complications. Qui sont les autres maladies qui sont liées au diabète? Et quelqu'un qui est atteint de diabète, des fois, nous trouvons un problème au niveau des reins. D'autres problèmes qui liés. Au fin, mentionne probablement, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être le cardiaque aussi. Oui. Est-ce qu'il est capable d'essayer de comprendre quel est le lien qui fait que cette maladie provoque autant de complications dans l'éco-endymoun? D'accord. Avant tout, quelles sont les complications qui posaient? Alors, comme on dit tout à l'heure, là, on a commencé en haut, c'est une lisier qui est plus affectée. Une lisier, dans une lisier, on a 20 à 20 ans. Alors, quand nous glycémie, quand le taux de sucre reste bien, bien fort, ça va t-il avoir une allée qui commence à se casser. Et ça, on appelle ça rétinopathie. Mm-hmm. Alors, au commencement, quand il va t-il avoir une allée cassée, peut-être nous pouvons trouver un petit peu somme, nos visions l'y affectées. C'est le diabète qui provoque ça, là? Oui. Il provoque quoi, vous dire là? C'est-à-dire ben, la veine? Ben, la veine dans le lisier, d'accord. qui commence à se casser. Qui fait alors, ça? Alors, ça cause 25 ans. Là, parce que le taux de sucre est bien, bien faux dans nous, les cours. Et ça, taux de sucre qui est bien faux, là, qui provoque ça, là? Oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui atteignent de diabète, disent, je ne pas trop bien. Je ne pas trop bien. Et à l'île Maurice, il recommandait qu'une fois par l'année, je t'en faire un check-up côté lycée. D'accord. Toute personne atteinte du diabète, il recommandait qu'ils te faire un check-up tous les années, une fois par an. Oui. Dépendant de la gravité, alors, une fois par an, vous allez faire un test côté lycée. Vous avez d'autres complications aussi? Oui, il y a d'autres complications côté les reins. Oui. Alors, nous les reins, comme on dit, un pasté. Dans nous les reins, c'est un petit lavendissant qui est passé. Mm-hmm. Avec le taux de sucre assez élevé, ça, un petit lavendissant commence à casser dans nous les reins. Et ça, il est affecté. Comme on dit, un pasté. Si arrivé dans un pasté, il y a un trou.
Alors, il n'y a pas pour arriver à faire ce travail comme on besoin. Il n'y a pas pour faire ce filtration comme on besoin. Alors, des entendre parler que un patient qui est dans l'Elisabeth, bizarre faire dialyse, là, c'est utiliser une machine pour faire la filtration de bande déchets dans nous les corps. Parce qu'il irait là, pas pu faire ce travail avec moi. Pas pu faire ce travail avec moi, il n'arrête pas de fonctionner. Ça, c'est ce côté l'irait. Aussi, on dit que côté nous ban nerf, ça, c'est affecté, ban sensation. Oui, c'est-à-dire. Par exemple, nous trappons un tache bien, bien sûr. Nous ressentis-lui. Ou senti-lui. Nous ressentis-lui. OK. Une personne normale, il pourrait ressentir. Oui. Mais une personne atteinte du diabète, stage avancé, il est capable de ressentir la chaleur. OK. Alors, les PSD se vendent de sensation. Par exemple, dans ce lipier aussi, il est capable de perdre ce vendre de sensation. Parfois, il est arrivé, il gagne une blessure. Il n'est pas ressenti. Ou ça, il gagne une blessure, il prend beaucoup, beaucoup plus le temps pour les guérir. Ou ça, il est capable de empirer. Ou ça, il fait la gangrène, que aussi, il a fait une amputation. D'accord. Alors, le tout de amputation côté du diabète li, aussi élevé à l'île Maurice. Le dernier chiffre peut-être est environ 500 amputations liées au diabète tous les années à l'île Maurice. Et ça, c'est beau. Les chiffres que vous évoquez sont des chiffres alarmants. Ce n'est pas évident. 500 amputations par an. Oui, qui lié au diabète, c'est-à-dire ben dimoun qui probablement a une blessure, une infection. Une blessure, infection, et vu que le diabète n'est pas contrôlé, alors il devient plus grave. Non, mais c'est ça, c'est une infection qui provoque une gangrène. Oui. Et obligatoirement, il faut amputer. Parfois, dans une situation, que le seul moyen pour la personne survivre, c'est faire une amputation. C'est terrible, 500 amputations par année qui liées au diabète, c'est pas simple. Avant qu'il nous fasse une comparaison entre type 1 et type 2, j'ai autant fait sa comparaison avec vous, le diabète de type 1 et type 2, comparaison entre les deux. Mademoiselle Anaïs Petra-Perman, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Oui. On aimerait bien vous écouter sur les soins et tout ça. Allez-y, hein, n'hésitez pas à dire des choses. Je sais que vous avez beaucoup de papiers devant vous. Vous avez beaucoup, pas mal de choses à dire. Allez-y, on vous écoute. Je voulais parler aussi de la complexité du accru aux gestions de diabète. Mmh. Oui. Par rapport à une situation vécue, il y avait mon porte-parole pour une jeune fille. Alors, Litiana, alors il a besoin de faire cette injection dans le métro. Quand tu as une personne qui a ça à côté de lui, quand tu as besoin de faire cette injection, mais quand il peut faire aller, la personne est levée, il a l'assise là-bas. Il a l'assise à une autre place. La personne a eu peur peut-être. Oui, mais le ressenti de la personne qui vient avec, il est vraiment, il ressentit mal à ce moment. Ok. Oui, du coup, ça aussi, il crée un souci côté santé psychologique. Parce que la personne peut-être n'est sentie d'une détresse émotionnelle et peut-être ça lié que tu n'as pas envie de suivre ce traitement. Oui. Non, mais là, le traitement même est assez lourd. Non, vous évoquez quelque chose de vraiment important. Peut-être on ne va pas trop blâmer la personne qui était à côté. Oui. Elle a dit qu'elle tient ses règles, l'hyper. La personne peut penser, attention, que la personne se drogue. Oui. Ou... vous connaissez que ce règne est lié parfois à autres choses, archivées et ainsi de suite. Donc ça peut aussi faire peur. Oui. C'est pour ça qu'il est important de faire cette éducation autour, pour que les gens comprennent que les personnes atteintes de diabète, obligatoirement, arrivées à un moment de la journée, ces personnes-là doivent faire une injection. Donc ça peut se faire partout, que ce soit à l'école, sur le lieu du travail, et aussi dans un transport, sur le chemin. Oui. Mais c'est ça, profiter de ce plateau, de cette antenne, pour dire aux gens, ça peut arriver à n'importe quel moment, que quelqu'un qui est atteint de diabète doit faire une injection, et comprenez, hein, c'est important aussi. Et faire comprendre que la personne l'hypane demande diabète. Bien sûr. L'hypane alors au diabète. L'hypane mange à cause d'une manche d'où, pardon, qu'il y a un diabète type 1. Oui.
Alors, je pense que ce message est passé, parce qu'il y a beaucoup, c'est un sujet aussi tabou, hein. Que les gens comprennent que cette situation-là, ce n'est pas simple. Quand je veux encore une fois évoquer les chiffres, 260 000 personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, et quand on parle de type 1, 1000 à 1200, et aussi parmi des bébés, des adolescents, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça aussi, il faudrait le savoir. Alors, il y a un terme qui va nous employer, Movinola, juste après. Mais avant cela, nous ne trouvons que par rapport à une blessure. Blessure qui provoque une amputation. Mais une personne qui est atteinte de diabète, vous avez fait très attention aux blessures. Exactement. Pourquoi ? Parce que ça ne se, guérit pas. Précaution à prendre au niveau du traitement même. Vous avez besoin normalement de prendre un comprimé. Et parfois aussi arriver que tu peines un bon contrôle et là, vous avez besoin de faire une injection de l'insuline aussi. Mm-hmm. Ça, c'est pour le diabète de type 2. Et aussi côté de self-care même, vous avez besoin de faire beaucoup, beaucoup attention. Par exemple, mettre des chaussures adaptées pour aussi prendre des précautions que tu ne sois pas blessé ou ça, si tu arrives ici, une blessée, tout de suite, aller à un médecin, à rendre des soins appropriés. Ça, c'est très, très important. Vinoba Bikia, me prendre un petit aspect très pratique avec vous concernant le diabète, également à Anaïs Prétapermal. N'hésitez pas à nous donner vos explications et surtout votre expertise sur le sujet. Il y a un terme qui m'a dit que c'est vite très souvent. Par exemple, arrêtement d'ici, arrêtement d'où de vous gagner diabète. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il est vrai? Mange doux, mange ici, gagne diabète. Ou pas boire trop beaucoup gazeuse, ou vous gagnez diabète. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il est lié? Par exemple, si un dimoun boit un petit peu gazeuse, est-ce qu'il dit mange doux? Est-ce qu'il y a un dimoun mange une tablette de chocolat? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est plutôt appliqué pour le diabète de type 2. Quand nous besoin éviter ban alimentation sucrée, boisson gazeuse, tout ça. Il est aussi appliqué pour le diabète de type 1, mais par contre, il faut de dire que quand peut-être maman là, pendant la grossesse, il mange beaucoup de sucre ou ça va nous faire sucrer, qu'ils en font l'engueil, le diabète de type 1, ça c'est faux. Et aussi, pour le diabète de type 1, parfois, il est nécessaire que les enfants là, peut-être, ils puissent prendre un petit peu de sucre. Ou ça, la boisson gazeuse pour remonter ce diabète. Parfois, le diabète est baissé. Quand il est baissé, il y a un manque de sucre dans le corps. On appelle ça hypoglycémie. Là, pour remonter, les bisins prennent un petit peu de sucre, ou ça, du miel, quelque chose de sucré, pour les remonter. Alors, prendre quelque chose de sucré pour le diabète de type 1, c'est aussi un traitement. D'accord. Pour corriger sa hypoglycémie là. Alors encore une question toujours pratique, ce qui va nous dire. D'ailleurs, vous venez de l'aborder là. Il a dit qu'il manque d'ici de l'écho. Alors le senti faible. Est-ce que c'est vrai qu'on manque d'ici de l'écho ou senti ou faible? Là où fait une cause de hypoglycémie, et ça c'est la vérité. Il a dit qu'il fait une crise aussi. Vous pensez hypoglycémie? Et qu'est-ce qu'il va faire pour dire qu'il là par exemple? Oui. Vous êtes capable de perdre conscience. Vous êtes capable de faire une crise épilepsie aussi. Ok. Ou ça, on appelle ça tombe dans le pomme. Ouais, le coma. Oui. Ok. Alors là, pour vous avez fait un traitement. Oui. Vous avez remonte le taux de sucre. Alors là, il y a un traitement qui est spécifique qui nous vient faire. Et nous, à Tidjams, nous éduque. Nous avons bénéficiaires, nous avons enfants. Quand le taux de sucre est baissé, qu'il faut faire, combien de sucre vous allez prendre? Nous pas qu'on prend la quantité. Nous avons une divine d'après le poids, tout ça. Alors, nous éduquons côté ça, l'aspect-là. Alors, quelques jours de cela, c'était le 14, je pense, c'était la journée internationale du diabète dans le monde. Oui. Commémorée dans le monde. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'il nous fait ça l'émission-là pour
éduque les personnes, les Mauriciens, et donner un maximum d'informations, de renseignements, de sensibilisation. Alors, Anaïs Pétain-Permal, quel est le message que vous avez pour Tidiams aujourd'hui sur ce plateau? Allez-y, on vous écoute. Alors actuellement, le but à Tidiams, pardon, le but à Tidiams, c'est de renouveler les liens avec les bénéficiaires. Oui, et du coup, on est en train de trouver des stratégies pour mieux acquérir les bénéficiaires, mais aussi on travaille ensemble avec les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 pour trouver des aptitudes pour régler non seulement les soucis présents, mais aussi les épreuves à venir. D'accord. Alors, on sait que pendant une période de l'année, on voit les personnes, les représentants de Tidiams un peu partout dans les malls. Ça arrive quand? Pas cette année-ci. Pas cette année-ci, d'accord. Non. Parce que je sais que vous avez besoin d'aide de beaucoup Oui, vu avec le Covid, tout C'est pas ça, évident, pas oui. cette année-ci, Oui. mais on a d'autres projets qu'on va vous communiquer peut-être Oui. dans une D'accord. autre émission. Il y aura beaucoup d'activités. On va utiliser un nouveau aspect en collaboration avec TIPA, la pédagogie interactive, qui veut dire qu'on va laisser place à la créativité aussi. Voilà. Très bien. Alors, pour terminer, Vidoba Bikia, éducateur en diabète de type 1. Donc, le dernier mot, allez-y. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, surtout à Oui. Toubandimoun. Le thème de cette année-ci, ça vient de IDF, International Diabetes Federation, c'est l'accès aux soins du diabète. Heureusement, peut-être à l'île Maurice, l'accès aux soins, une en ligne dans tout l'hôpital ou même aussi en privé. Mais comparé à d'autres pays, parfois, je n'ai pas arrivé à gagner l'accès pour le soin nécessaire pour le diabète. Et aussi, le thème, c'est éduquer pour protéger l'avenir, ce qui Tidjam s'est engagé et toujours pays engagé de faire, c'est éduquer la population et aussi nos bénéficiaires comment pour prendre soin d'eux-mêmes pour un bon avenir, pour être en bonne santé. Vinoba Bikia, éducateur en diabète de type 1, également Anaïs Pétain-Permal, l'accompagnatrice sociale à Tidiams. Je vous remercie beaucoup pour votre Merci à présence sur vous. ce plateau et j'espère beaucoup aussi que ce message est passé parce qu'il y a un message tellement important. Je rappelle les chiffres, faut ne pas oublier 260 000 personnes atteintes de type 2, diabète de type 2. Ce n'est pas évident. Parmi beaucoup de vieilles personnes, il y a également des jeunes. Alors, faire très attention avec votre alimentation, à ce qu'on consomme et aussi faire beaucoup d'exercices physiques pour brûler certainement le sucre qui sont en trop dans notre corps. Merci à vous. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous suivre chaque jour, chaque semaine et rester branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.